le monde, j'espère que vous allez bien. Petite intro rapido parce que je m'en vais sur la route avec mon amie Anne-André. On s'en va à Burlington, on s'en va faire les magasins du classique voyage hors frontières. On va aller chez Target, on va aller chez Trader Joe's, on va aller au resto. Ça va être une journée entre amis, puis je vais faire des petits clips, puis vous montrer tout ça. Puis après, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Donc on s'en va tout de suite sur la route. Vous devinez où on est rendu. Je suis avec Anne-André, qui était la pilote. Je vous mettrai ses coordonnées sous la vidéo. Personne à découvrir. Alors, on est enfin au Target. On a de l'émotion. On s'en va shopper. C'est la joie. La vibe Target. On a des ambitions. La section à 50% est pleine d'affaires d'Halloween. Bon, j'ai déjà trouvé quelque chose. Regardez ça, avec une petite chauve-souris, puis t'enlèves en dessous. Magnifique. Attends. Ah, c'est plus une pomme, on dirait. Ben, c'est une citrouille, mais... Hey, c'est une pomme ou une citrouille? She identifies as an apple. Ça, c'est cute, aussi. Des petits sous-verres. Très belle. Il y a des petites citrouilles aussi, mais je vais prendre celle-là. Parce que des citrouilles, j'en ai déjà. Anne-André a fait la trouvaille. Oh, we want it! Ces petites citrouilles-là sont vraiment mignonnes. Celles-là sont 3$. André fait une autre découverte. Wow! Parlez! Oh. On est dans le théâtre. Et ça, c'est beau, là. Oui! 5 piastres. Ça fait beaucoup de 5 piastres de suite que je mets, par exemple. C'est magnifique. Checkez ça, c'est un valet. Comment t'as fait ça, un petit piton? Essayez-moi, regarde. C'est trop beau! 20$! Tu penses de quoi? 25$. Quand même cute. Très bien. C'est un interurbain. Bon, ça sonne raccroché. Ça sonne pick me. Pick me. Try me. Non, ça va être pour un autre vie. Anne-André s'est fait pogner, là. Vous avez manqué la scène parce que je filmais pas, mais genre, elle passait là, puis quelqu'un voulait lui donner un hug. Tristesse de la limonade Passion Fruit. 11 sur 10. Ouh, j'ai hâte de goûter la mienne. On a pas à peine au Applebee's. C'est pris des petites limonades, comme vous avez vu. Puis c'est fun, il y a le Impossible Burger. Fait qu'André a pu se commander un burger. Elle est végétarienne. Moi, j'ai pris la même chose, mais version assassin. Ça va être délicieux. C'est quoi? Montre-moi. Ça, c'est de pomme caramel. C'est délicieux. Yum! C'est Lake Champlain. Il y a ça qui a dans le pont aussi. Des petits chocolats du Vermont. On est à l'épicerie.
me rappelle jamais du nom. Healthy Living? Oui. Ça. À côté du Trader Joe's où on va après. Ça, je vais essayer ça. Le Nutters. Amandes et coconut. Un petit truc pumpkin spice de plus, ça. Dans la bombe de bain. Ça, c'est quoi? Une pomme? Pomme. Vermont. Beaucoup de fromage d'ici et d'ailleurs. Une barre à olives. Anne-André cherche un fromage dans les chips. Non. Il y a énormément de choix de protéines végétales ici si vous êtes vegan. Je vais faire un tour avec votre glacière. Ça, c'est une belle découverte. Alors, c'est le visage heureux de deux filles qui n'ont pas payé rien au douti. On n'a pas payé rien aux douanes. Fait qu'on est vraiment contentes. T'es-tu contente? Ben, on a été honnête. C'est ça le but. Oui. On a dit ce qu'on avait. Oui. On est de retour à la maison. Je me suis mis en petit pyjama. J'ai relaxé un petit peu. Puis là, je vais vous montrer bien sûr mes achats au Trader Joe's. Je vais aussi vous montrer mes achats du Target, mais je vais filmer demain. On va avoir une plus belle lumière. Ça va être plus fun. Première chose, j'ai acheté la sauce pour les pâtes automnales crémeuses à base de petites courges, petits ronds, poivrons. Ça va tellement être bon, ça. Puis regardez sur quoi je vais mettre ça. Vraiment trop cute. C'est les Fall Zucchette Pasta à la courge butternut. Ils sont en forme de citrouille. Vraiment jolie. C'était pas cher, ça. Genre 3$, là. Vraiment, tout était pas cher au Trader Joe's. Vous avez compté mes problèmes d'obtention de purée de citrouille. Il y en avait à 3$. Alors, j'en ai pris une de la citrouille bio. Pour faire des plats plus salés au lieu de faire des desserts. C'est vraiment moins cher que les épiceries présentement. Puis, en passant, on doit s'attendre à une hausse des prix dans les citrouilles, les pommes, tout ça. J'ai écrit mon billet sur les visites de verger, puis je voyais les prix des pommes là, pour rentrer. Ça a vraiment augmenté. Ça a l'air qu'ils ont de la difficulté à cause de la pluie. Puis, il y a beaucoup de producteurs qui ne trouvent pas non plus de main-d'œuvre pour ramasser les pommes. Ça, c'est un autre problème. Mais bref, on revient aux choses le fun. J'ai acheté ceci, c'est des amandes à la noix de coco, à saveur de noix de coco. Je trouvais que ça avait l'air bon. Je trouvais que ça avait l'air comme une petite gourmandise spéciale. Ça aussi, j'avais jamais vu ça. C'est Crispy Crunchy Mochi Rice Nugget. Regardez, il y a un band. Et ce perso qui joue du saxophone. Fait que ça a l'air d'être des genres de petites... pas des croustilles, mais des cubes... Faites avec les mêmes ingrédients glutineux que les gâteaux de riz japonais. Légère, crunchy, crispy et savoureuse dans le sens de salé. Fait que, tu sais, avec une petite bière. Et parlant de snacks salés avec une petite bière, j'ai racheté mes préférés, les puffs au maïs, cacio et pépé. Puis là, je l'ai pris 2 sacs pour en avoir, pour goûter avec mes amis, tout ça. Ben, pas goûter, moi, je sais ce que ça goûte. C'est au poivre et au fromage, comme les pâtes cacio et pépé traditionnelles. C'est vraiment un must, ça, si vous allez au Trader Joe's, là, je raffole de ça. Puis là, pour la première fois de ma vie, je suis allée au Trader Joe's avec une mini glacière et j'ai rapporté du surgelé, des choses que je voulais goûter depuis tellement longtemps, puis des nouveautés que j'ai jamais goûtées. Et là, le produit saisonnier, puis je vais manger ça pour souper, c'est le mac and cheese à la courge butternut en prêt-à-manger qu'on fait chauffer, ça a l'air trop bon. Les gnocchis au chou-fleur célèbres sur TikTok. On va essayer ça cette semaine. Pas pire, ça n'a pas dégelé. J'ai pris des rice cakes, le format en genre de petites
le rondelle, là. Ceci, c'est des fiocchetti avec sauce rosée. C'est comme des petites pochettes farcies au fromage, je pense. Ça a l'air vraiment délicieux, ça aussi. Et dernier prêt à manger, les raviolis aux champignons avec sauce à la truffe. J'adore. On est le lendemain. J'étais presque en train d'oublier de faire ce segment avec les produits que j'ai achetés chez Target. Je vais vous montrer les aliments que j'ai achetés. Il y en a quelques-uns. Puis dans un autre vlog, je vais vous montrer les objets déco parce que je veux aussi vous montrer où je les mets dans la maison, comment je m'en sers. Donc, pour commencer, j'ai acheté du Catalina Crunch Keto Friendly. Mais j'avais entendu parler de cette céréale-là qui a moins de sucre, tout ça, donc ça m'intéressait. C'est une céréale qui est faite avec de la protéine de pois, des fibres de patate. En tout cas, c'est comme plant-based. Puis par curiosité, je voulais l'essayer. C'est quand même cher, c'est genre 8$ pour 9 onces, donc 255 grammes. Je sais que c'est très populaire auprès des gens qui mangent keto. Je mange pas keto, mais je mange curieuse, donc je voulais l'essayer. Ensuite, j'ai acheté des goldfish à saveur de beignes Dunkin' Donuts, comme une saveur de citrouille. Pumpkin Spice Graham, comme biscuit Graham, pumpkin spice en forme de goldfish. Il se passe trop de choses, je ne sais pas trop. Il y a la fonte du Dunkin' aussi, c'est vraiment le look Dunkin'. Je trouvais ça vraiment cute. Et aussi, j'ai pris les goldfish au parmesan. J'aime tellement ça, des goldfish pour mettre dans des salades. J'ai acheté ceux Old Bay quand j'étais dans le Maine, les épices qu'on met sur des fruits de mer. C'était super bon, j'en mets comme des croutons dans ma salade. Fait que je me suis dit, parmesan, ça allait être encore meilleur dans une salade César au lieu de mettre des croutons. Je trouve que c'est une bonne idée. Je vais pas vous mentir, j'ai déjà ouvert. Ce sont des biscuits Pepperidge Farm Pumpkin Cheesecake. Des genres de biscuits un peu moelleux, là. Ils sont très bons. C'est très bon. Moi, au début, j'étais comme, ah non, ça a l'air d'être au chocolat blanc, mais c'est cheesecake. Puis dans les choses à la citrouille, à date, c'est une des meilleures choses que j'ai mangées depuis les années où je goûte aux choses à la citrouille. J'ai pas vraiment acheté de choses pour faire un taste test parce que je fais plus vraiment ça. Les tests de goût, genre en rafale, là, je trouve que ça peut. J'achète des choses juste pour y goûter, puis tu sais, ça fait beaucoup d'affaires après à consommer. Fait que j'essaye de juste acheter des choses que j'ai goût de manger dans des repas ou vraiment tester par curiosité. Donc c'est ça. Fait que j'ai acheté ça ici, vraiment bon. Puis sinon, j'ai acheté un creamer nut pod à la citrouille aussi, pumpkin spice. Nut pod, c'est du lait d'amande, mais ici c'est amande et coconut. Je me suis dit que ça va être bon. Pour faire des lattés, évidemment, essayer ça. J'ai déjà essayé celui qu'ils font à Noël, qui est comme mentholé, c'est le canne de bonbons, là, puis il est super bon, donc je vais essayer celui d'automne. Et finalement, j'ai acheté un paquet de 4 canettes de café triple la colombe, triple latté. Ça, c'est bon, là, c'est vraiment riche, crémeux, glacé dans mon petit fridge, là, je me fais ça l'après-midi, là, c'est une gâterie. Donc, c'est la dernière chose que j'ai acheté chez Target dans les aliments. Je vais vous revenir avec une vidéo avec toute la déco que j'ai achetée. J'ai fait des trouvailles. Vous irez voir sur TikTok, j'ai mis un TikTok avec les choses qu'on peut acheter dans le département Bullseye chez Target. Je vous ai montré un peu tantôt, mais là, j'ai fait comme un petit résumé sur TikTok. Vous irez voir ça. C'est fun parce que c'est pas cher, ce petit coin-là. Hein? C'est 5$ et moins des fois. Donc, on en profite. Puis c'est ça, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de me rejoindre sur les médias sociaux. Les liens sont tous en dessous de la description, ben dans la description. Puis vous pouvez aussi aller consulter mon blog si vous voulez faire des découvertes. Je mets aussi le lien sous la description. On va se dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!